expérience que nous allons vivre est la rencontre avec M. Abdulrahman Ali Waberi. Waberi suffira. Bienvenue, M. Waberi. Merci. Alors, effectivement, vous l'avez écouté, hein, la Maison de l'Afrique, ce qui m'a plu personnellement pour venir dans cette maison. C'est une maison qui prône l'interculturalité comme vecteur de cohésion sociale. C'est une maison qui essaie de développer le vivre ensemble. C'est une maison qui essaie de s'attacher à tout ce qui est en lien avec l'Afrique. C'est un continent mère et qui touche tout le monde. Et donc, à l'intérieur de ça, l'idée, c'est de développer différents pôles, des pôles économiques, des pôles culturels, des pôles éducatifs. Aujourd'hui, la Maison de l'Afrique est forte de 6 pôles qui sont en activité, que nous continuons à développer, à armer, pour faire face aux défis. Je voudrais, après cette introduction, vous présenter M. Waberi. M. Waberi, c'est un homme qui a fait déjà beaucoup de choses, hein. Alors, M. Waberi est né à Djibouti en 1965. Alors, toujours sous l'autorité de la France, il se retrouve djiboutien au moment de l'indépendance du pays en 1977. Étudiant puis professeur d'anglais dans l'Hexagone, il recouvre la nationalité française après son mariage en 1991 en Normandie. C'est un critique politique proche de l'opposition. Il garde des rapports complexes et tendus avec la République de Djibouti et ses publications engagées, dénonce avec violence les déchirements, les errances d'un pays à la dérive, dépossédé de son passé et de ses traditions. Son œuvre, tout comme son appel au boycott de l'élection présidentielle du président sortant Ismaël Omar Guelleh, comme ça que ça se dit, unique candidat en 2006, lui ont valu le représailles de la presse gouvernementale de son pays d'origine. Dans sa trilogie tentative de définition de Djibouti qui comprend le pays sans hommes, cahier nomade et Balba, serpent plume 1994, 1996 et 1998, il superpose contes, légendes, récits, documentaires et extraits d'articles de journaux pour composer une fresque impressionnante montrant un pays terrassé par les fièvres, les famines, la corruption et les guerres. Largement primé, il a reçu pour son premier ouvrage, Le pays sans ombre, le grand prix de la nouvelle francophone de l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique. Et en 1996, le Grand Prix de l'Afrique noire pour Cahier Nomade. Je vous ai dit qu'il a fait beaucoup de choses, donc je vais enchaîner. Suivi par l'urgence de rendre compte du génocide rwandais survenu au Rwanda, il publie en 2000 « Moisson de crâne », « Le serpent à plumes », un essai matiné de fiction qui décrit avec force la peur, le dénuement, l'horreur de massacre. Puis, en 2001, il publie Rift Rouge, Heiss, Variation romanesque, aux éditions Gallimard. Et Transit Gallimard 2003, deux textes sur la tentation perpétuelle, la migration et de l'exil des victimes des guerres civiles. Publié par des journaux et revues, tant africains qu'internationaux, et dans une vingtaine d'anthologie, traduit dans une dizaine de langues, M. Abdulrahman Ali Waberi est l'un des 44 signataires du Manifeste pour une littérature monde, 2006. En 2006, il est lauréat de la plus prestigieuse bourse de création allemande, Berliner, ce qui lui permet de profiter durant un an d'une résidence d'écrivain à Berlin. Avec Passage des larmes aux éditions Jean-Claude Lattès en 2009, Waberi signe une peinture poétique
et polyphonique de Djibouti à travers l'histoire de Djibril. Elle est une lecture de Montréal, de retour au pays pour une mission d'espionnage après 18 ans d'exil. Entre autoportrait et réflexion sur le temps et la mémoire, l'auteur rend un bel hommage au philosophe allemand Walter Benjamin et écrit le roman d'un pays devenu la plus grande poudrière du monde après l'Afghanistan et l'Irak. En 2010, M. Abdulrahman Wahberi présentait un recueil de nouvelles réunissant des récits d'auteurs d'Afrique et du monde qui dressent un portrait du continent noir à travers le prisme d'une passion commune, le football. Entre fantasmes, légendes et réalités, ce livre nous offre une belle plongée dans l'Amérique, dans un flux musical de digression onirique et de réflexion culturaliste. En 2016, il publie un recueil de poèmes sur la religion et la tolérance intitulé « Mon nom est Hope ». Poésie de l'éveil, ce recueil contemplatif, ponctueux de lecture du Coran, est l'occasion d'une réflexion sur la spiritualité de l'homme. Son roman « Aux États-Unis d'Afrique » 2006, réédité en poche chez Zulma en 2017, fait partie de la sélection de livres pour la journée des lycéens. Abdulrahman Ali Wahberi inverse les données économiques et géopolitiques du monde. L'Afrique, nation fédérée en nation riche et moderne. Leader mondial domine désormais l'Europe et l'Amérique, rongée par la misère et les guerres ethniques. Chacun à son tour. Merci, M. Wahberi. Fable utopique ou miroir inversé, l'épopée de la petite Maya, exilée de sa Normandie miséreuse, propose au lecteur un renversement de perspective jubilatoire qui met à mal les évidences sur l'Afrique et les migrations. Merci, M. Wahberi. Nous allons parler d'un de ses livres. Un de ses derniers livres qui s'intitule « Pourquoi tu danses quand tu marches ?» aux éditions Jean-Claude Lattès, 2019, août 2019. En fait, la question que j'avais envie de vous poser, c'est que pour moi, il y a deux grands éléments qui ont déclenché cette écriture-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Je suis toujours d'accord avec vous. Merci. Pour vous donner une idée, pour les 5 ans de Béa, l'anniversaire donc de Béa né en 2010, Margherita, votre épouse, voulait que vous présentiez votre famille à Béa à partir d'une vieille photo qu'elle disposait. C'est vrai qu'à cette époque, on n'avait pas souvent beaucoup de photos. Deuxième élément, en accompagnant Béa lorsque vous n'êtes pas en déplacement à Paris, Béa vous pose la question pendant que vous marchez avec elle. Papa, pourquoi tu danses quand tu marches ? Vous décidez alors de raconter à Béa le pays de votre enfance. Vous rentrez alors dans vos souvenirs dans un cycle de tranches de vie 6-7 ans. Et vous suffit de fermer alors les yeux pour que tout vous revienne. Est-ce que vous pensez que Béa et Margherita vous ont permis une vraie réconciliation avec votre passé ? La réponse est... D'abord, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Vous êtes mon grand frère et... c'est marche. C'est vert, normalement. Oui, normalement. Est-ce que c'est... Non. C'est un faux vert. D'abord, bonsoir tout le monde. Je vais commencer par ce que faisait ma grand-mère, qui est un peu l'inspiratrice ou la personne qui m'a soufflé ce roman et qui a peut-être soufflé tout ce que j'ai fait. Donc ma grand-mère, qui est morte à 90 ans passés, il y a quelques années, ce qui est une performance pour ces pays-là, les gens qui vivent dans ces types de pays-là difficiles, disait dans sa langue maternelle, le somali, quand j'étais gamin, j'entendais ça, je disais, mais je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je comprends pleinement ce qu'elle disait. Elle disait en somali,
même les arbres méritent ou doivent être embrassés ou doivent être salués chaleureusement. Et en fait, aujourd'hui, on sait, par la poésie, mais aussi par la conscience qui avance, que nous sommes dans le vivant. Nous sommes un avec seulement les autres hommes. On parlait déjà du racisme, mais ça, c'est encore des humains. Mais nous devons encore avoir une conscience plus aiguë pour embrasser tout ce qui est vivant, puisque tout ce qui est vivant fait partie de la même trame, de la même tapisserie. Et donc, pour elle, qui était nomade du pays, on va dire, subsaharien, la nature, les arbres, la rivière, les cailloux, l'oued sont des êtres vivants et font partie du vivant. Et donc, en Somalie, on dit traditionnellement dire bonjour aussi aux arbres. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites non seulement dire bonjour aux vivants, enfin aux humains, aux bipèdes comme nous, qui ont un gros cerveau, n'est-ce pas, qui fatigue tout le monde, mais aussi aux autres êtres vivants. Alors, gamin, je ne comprenais pas pourquoi elle voulait embrasser les arbres et saluer les arbres. Aujourd'hui, je comprends pleinement. Il y a une autre aussi, quelque chose qu'elle disait, c'est qu'elle parlait aux absents, ce qu'elle appelait les invisibles. Et là, elle me disait, mais Dohaman ou mes autres frères, Osman, etc., il y a des rites à réserver, à respecter, y compris dans une maison. On ne traverse pas de seuil impunément, on ne rentre pas dans n'importe quelle pièce à toute heure impunément. Il faut respecter, et nous sommes, faisons partie d'un cosmos, hein, c'est pas comme ça qu'elle disait, mais nous sommes là, mais il y a d'autres qui vivent avec nous. Hein, il faut les respecter. Et c'est comme ça que traditionnellement, on explique des choses qu'on ne comprend pas, comme l'épilepsie, comme les maladies, vous voyez. On dit qu'il a traversé un seuil, cette personne-là, elle a rencontré un esprit qui l'a peut-être giflé, et voilà pourquoi elle est tombée malade. Donc elle m'expliquait qu'il fallait pas, il y a des rites à réserver, à respecter dans la maison, en rentrant pas, par exemple, dans toutes les pièces, à l'aube et aussi au crépuscule. Vous voyez, il faut vivre en bonne intelligence avec ces invisibles. Donc les arbres et les invisibles, c'est deux choses que j'ai gardées d'elle, et c'est peut-être ce qui va me permettre, là je vais non aussi, de profondir ce qu'on va appeler, ce que bon, je vois ce fait lui, il appelle la relation, ce qu'Edouard Glisson appelle la relation. C'est-à-dire en fait le commerce avec les humains, mais au-delà des humains aussi avec tout ce qu'on va appeler les vivants. Patrick Chamoiseau, qui est un magnifique poète, parle ça aussi magnifiquement. C'est-à-dire nous devons approfondir, densifier notre qualité relationnelle. Il n'y a que ça. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, donc je vous salue comme des arbres, hein, je parle des vivants, mais aussi les chaises, la bouteille, non, mais les bois, les vimains, enfin les cheveux, tout ça, je salue tout ça et je vous remercie d'être là. Ce n'est pas souvent que je parle avec des voix Premier ministre, mais bon, on ne va pas se priver. Jean-Marc est un enseignant aussi, ça me plaît beaucoup. J'ai mis la dédicace, hein, je vais faire les coming out. J'ai mis à Jean-Marc et Brigitte qui sont aussi des enseignants parce que j'aime bien saluer cette qualité. Voilà. Saluer la qualité de politicien, mais aussi la qualité d'enseignant m'intéresse. Je suis enseignant, je suis toujours enseignant en fait. Ce que j'explique à mes étudiants aux États-Unis, à la George Washington University, c'est que nous sommes en fait, je suis toujours, je leur apprends à lire simplement. J'étais devant et maintenant j'étais derrière et je suis devant les pupitres, si on peut dire, ou la chaire. Mais en fait, je n'ai pas changé vraiment, je suis encore dans les mêmes tissages de mots. Donc j'essaye de leur apprendre à lire, évidemment ils lisent grammaticalement, syntaxiquement, mais à lire aussi relationnellement, si je veux dire, poétiquement, et à avancer. Ça commence par un petit décortiquage grammatical ou langagier, mais ça va aller plus loin, et là, en fait on apprend à lire simplement, hein, c'est ce qu'on essaie de lire, lire pour mieux vivre, c'est ça la chose. Et Jean-Marc Hérault était un germaniste, donc tout à l'heure quand vous avez dit... Berliner, c'était Berliner Künstler Programm, qui est la bourse qui existe à Berlin, que j'ai complété après aussi par un séjour à la Villa Médicis, qui était aussi pour moi une espèce de summum. Donc en tout cas, voilà, je vous salue comme un arbre, comme saluer ma grand-mère, et je vous invite à une espèce de petite communion, un petit banquet de mots comme ça, et autour pour une heure, hein, c'est ce qu'on fait, hein, c'est une veillée, une sorte de veillée littéraire. Hein. Les Antillaises par terre aussi. Alors peut-être deux mots avant d'avancer sur... Je répondrai à la question qui est au cœur de mon dernier roman. Donc comme je vous disais, j'ai fait que lire, écrire et traverser, c'est ça un peu ma vie. Donc Nantes n'aimait pas étrangère. Je suis né il y a 50 et quelques années à Djibouti.
Je suis arrivé à Caen, j'ai épousé une Vendéenne, c'est juste à côté. J'ai enseigné dans les bocages normands, hein, je parle du pays d'Auge, hein, entre Livaro, Pont-l'Évêque et Camembert. Hein. Ben, vous voyez, j'étais dans le bocage pendant 6 ans. Et puis par la francophonie, on va dire, par le fait que nos livres voyagent, j'ai voyagé avec mes livres, et un peu après Alain, à Mabankou, je suis aussi allé enseigner de l'autre côté depuis maintenant une douzaine d'années. Je suis à Washington, D.C. Ben, nous sommes des ambassadeurs de la langue française, simplement. Et Nantes est notre maison. Donc, ça me plaît ici d'être à j'allais dire, si je souligne les deux mots, maison et Afrique, ça me convient tout à fait. C'est une maison de la sagesse. Hein. Vous voyez, dans l'Égypte, dans ce qu'on appelait l'Empire abbasside, hein, quand le monde musulman était valeureux, hein, je parle de Bagdad, il y a une maison de la sagesse, Dar al-Hikma. Et je souhaite à cette maison de l'Afrique qu'elle suive les traces de la maison de la sagesse de Bagdad, qui sera un lieu d'échange, un lieu de traduction, un lieu de change dans tous les sens du terme. Donc on change, n'est-ce pas, sans se pervertir ni se trahir, disait Edouard Glissant, que je cite ici un peu imparfaitement, mais nous sommes dans cette relation-là. Voilà. Donc je vous invite à cette veillée. Et je suis fort aise en votre compagnie. Alors, pour revenir à mon roman, qui est mon 6e roman et 12e livre, j'avais commencé par des recueils de poèmes, des recueils de nouvelles, et j'ai allongé en fait les gestes. Tout à l'heure, quelqu'un parlait des marathons. Mon premier roman, d'ailleurs, si vous voulez m'inviter à cette occasion-là, pourrait aussi coïncider avec votre programme, puisque mon premier roman, c'était un marathonien. Et parce que c'est l'homme, pourquoi j'ai utilisé en fait cette métaphore, un peu comme Benjamin plus tard, parce que c'était un raccourci pour moi. Cet homme-là s'appelait Ahmed Salah, il est encore vivant, c'était notre Zidane. Donc c'est quelqu'un qui a mis, en gagnant à Hiroshima en 95, le marathon, il avait mis Djibouti sur la carte mondiale. Et donc je voulais une figure djiboutienne qui puisse très vite s'y translacer, hein, s'y traduire très concrètement. Et comme je ne suis pas d'accord avec les autorités djiboutiennes actuelles, n'est-ce pas, j'ai aussi inventé une histoire. Enfin, j'ai imaginé que cet homme-là ait utilisé son pouvoir sportif et médiatique pour faire avancer la question de l'ordre et de la justice. Et évidemment, il va se trouver en difficulté avec le dictateur local. Donc ça, c'était mon roman qui s'appelait Balbala, comme vous l'avez signé. Donc pour revenir à mon dernier roman, la question qui se pose, qui est vraie, ce qui est ma fille, j'ai eu 2 enfants en grand, maintenant j'ai une fillette qui a 9 ans, qui fait mon bonheur. Et en fait, cet enfant a entendu une petite musique dans la famille, c'est comme ça dans toutes les familles. Elle entendait quand elle avait 4-5 ans, une petite musique qui disait « Tu peux pas demander à ton père ça ». Et les enfants, vous voyez, dès qu'il y a une zone d'ombre, ça les intéresse, ça les attire. Alors, qu'est-ce qu'elle ne pouvait pas demander à son père, cet enfant? Parce qu'un père qui avait apparemment l'air normal, il avait un handicap, comme on dit aujourd'hui. Et d'ailleurs, ces pères-là, c'est moi, je ne m'étais jamais senti handicapé ou disabled, comme on dit aux États-Unis. J'ai une séquelle des polio, mais je n'avais jamais quasiment parlé, parce que les gens m'envoyaient. J'étais dans cette... Pour moi, j'étais normal, n'est-ce pas? Mais cet enfant m'a attiré dans cette part de moi que j'ai voulu éviter probablement, parce que la petite musique qu'elle entendait, tu peux pas demander à ton père ça, c'était... Alors évidemment, elle m'emmenait vers là. Alors ce que disaient les autres, la grand-mère, les tantes, etc. Tu peux pas demander à ton père de t'emmener à vélo. Tu peux pas demander à ton père de t'emmener faire du ski, voyez, ou même monter les escaliers, etc. Parce qu'il n'en est pas capable, parce que... Et donc l'enfant, quand je l'ai emmené, j'habite entre le 10e et le 9e arrondissement à Paris, vers le faubourg, vers là-bas. Quoi. Donc quand j'ai emmené à l'école, j'ai envoyé ma fille me disait, mais papa, est-ce que tu aimes les skates ou est-ce que tu fais de la trottinette? Moi, je croyais que c'était des questions bénin et en fait bénines. Et en fait, elle voulait en venir à mon handicap, pardon. Donc en fait, elle me disait, pourquoi tu marches comme tu marches? Et moi, je ne sais rien faire d'autre, donc je lui dis, écoutez, je vais te raconter une histoire. Cette histoire qui va être à la fois le retour de mon enfance à Djibouti, hein, les Djibouti des années 70, et ce qu'on appelle aujourd'hui mon handicap, ma différence, j'en avais déjà une, qu'on appelle la couleur,
mais je vais affronter celle-là. Et comme j'ai dit vulgairement, comme j'avais dépassé la cinquantaine, j'étais capable cette fois de regarder mes culottes sales. Donc je lui montre mes petits secrets et comment j'ai attrapé la polio à l'âge de 7 ans. Donc c'est à la fois un roman très intime d'un homme qui arrive dans l'âge de la maturité, comme on dit, et qui revient sur, sur son enfance, et surtout sur cette partie qui était pour lui-même énigmatique, puisque comme j'avais une forme légère de polio, on m'avait dit, mes parents m'avaient dit très jeune, hein, à Djibouti, dans les quartiers, comme on dit, c'est-à-dire dans les bidonvilles, parce que je suis un fils de pauvre, il y a mon cousin là-bas, Yassine, qui est né carrément à deux rues près, et donc on m'a très vite fait comprendre que je ne serais jamais docker, ni athlète, n'est-ce pas? Et donc on m'a dit, avec ta jambe tordue, toi, il faut que tu sois bon à l'école. Je suis devenu bon à l'école, jusqu'au point d'aller enseigner ça. Et donc c'est cette partie un peu douce, amère de l'enfance que je raconte à cet enfant. Et c'est un roman, on va dire, fictionnel, mais sur un matériau intime et personnel. Ce qu'on n'a pas, à Paris on appelle ça de l'autofiction, mais j'appelle ça un roman de l'enfance, comme il y en a de très bons dans notre littérature, hein, que ce soit Les Lettres de mon moulin, ou que ce soit Marcel Pagnol, que ce soit Albert Cohen, voyez. Donc c'est cette veine-là, c'est un roman sur l'enfance. Est-ce que j'ai répondu, grand frère, à la question? Oui, je continue, parce que peut-être défini comme ça, c'est bien, mais c'est parti sur un support très fort. Vous nous faites voyager, vous nous décrivez donc des personnages remarquables, aussi exceptionnels, les uns que les autres. Un pays, Djibouti, une période coloniale, avec le TFS qui passe en TFAI 2 ans après votre naissance. Expliquez-moi un peu cette période-là. Oui. Vous voyez, c'est ce que je disais, vous avez encore le grand frère. En fait, tout passe très vite. Hein. Donc, ce que j'essaye de raconter en mon enfance, je l'ai raconté à cette fille, mais je vois que, par exemple, quelqu'un l'avait dit tout à l'heure, c'était vous, je crois, l'Afrique est un continent jeune. Donc aujourd'hui, par exemple, la moitié de la population de Djibouti, plus de la moitié, on va dire, presque 60% de la population, a moins de 30 ans. Donc elle n'a pas connu les Djibouti français, je veux dire. Moi, je suis un enfant d'Itefaï. Alors, à la fois là-bas et ici, j'ai fait œuvre d'éducation. Qu'est-ce que c'était l'Itefaï? C'était les territoires français des Afars et des Issas. Donc il y a des gens qui ont à peu près mon âge ici, et tout le monde connaissait ou connaît l'Itefaï, les territoires français des Afars et des Issas. Et notamment parce qu'à Djibouti, on allait envoyer les appelés. Vous voyez, déjà, il faut expliquer ce que c'est les appelés, ce que c'est la circonscription, ce que c'était les services militaires. Mais Djibouti a été toujours et l'est encore un terrain de jeu formidable pour les militaires, hein, notamment les militaires français. Et donc, voilà, c'est mon enfance. J'ai connaissé tous les corps des militaires, les régiments, leurs couleurs, leurs fagnons, etc. Parce qu'on était, c'est une ville garnison, hein, c'est comme ça. Donc elle a les avantages. Je connaissais les marsouins de Vannes, je ne sais pas, les gens qui venaient de Calvi, les paratuchistes de tel, vous voyez, quel escadron qu'elle a. Il y avait la deuxième DBLE, qu'on appelait la deuxième division de légions étrangères, qui était toujours une. Donc nous, enfants, on connaissait ça par cœur et ça nous amusait, hein, les képis blancs, qu'on appelait les légionnaires, qui n'étaient d'ailleurs même pas français, ils étaient souvent de l'Europe de l'Est, et c'est la fille djiboutienne qui leur apprenait le français. Donc, c'est ça la vie, hein. Vous voyez, vous avez un monsieur qui est légionnaire soi-disant, mais il s'appelait peut-être Marco, il est slovaque, et c'est la djiboutienne qui lui apprend, mon chéri, on ne dit pas ça comme ça, ça se dit comme ça concrètement. Et donc ça fait partie de cet environnement, mais cet environnement-là, il est déjà, vous voyez, moi j'ai 56 ans aujourd'hui, donc les Djiboutiens non plus, mes petits frères, ils ne les connaissent pas parce qu'ils sont trentenaires, vous voyez. Donc, en fait, en parlant de mon enfance, et ça, c'est encore une vérité littéraire, ben, en fait, on parle du monde, vous voyez. Ma case est le monde, et c'est ce qui est la magie de la littérature. Il faut creuser son soi, son petit territoire, pour justement parler à l'universel. Giono a parlé d'un quelques arpents de la Haute-Provence. Ben, c'est ça, le monde. S'il n'y a pas d'autre, vous voyez, on n'a pas besoin d'aller chercher
des palazzo ou des palais, il ne faut pas aller à Venise ou à Florence ou à je ne sais où pour écrire de l'opéra. Aujourd'hui, le monde, il est là où sont mes deux pieds. Donc mon village peut devenir le monde entier. Et finalement, en parlant de mon quartier, de mon bidonville, j'essaye d'atteindre l'universel. Ça paraît évident, mais c'est cette évidence-là que nous autres artistes, nous creusons et nous devenons convaincus. Hein, parce qu'au départ, ce n'est pas évident. Hein, on se dit, si on regarde avec des yeux d'étranger, hein, on se dit, maintenant, je suis sous-développé, n'est-ce pas, acculturé, etc. Bon, en fait, non, pipou. C'est à partir de ce qu'on a qu'on atteint l'universel. Il faut parler de son petit terroir. Mon ami Michel Lebris, qui est mort récemment, qui dirigeait le festival Étonnant Voyageur, n'a parlé que de la baie de Morlaix. Vous voyez, le monde, il dit, le monde arrivé, c'était la mer qui cognait, la coulée de la mer, l'océan, fils d'une femme qui faisait les ménages chez les bourgeois du coin, c'était ça le monde. Donc la mer, en plus, en fond naturel, hein, c'est pas un secret, mais vous voyez, c'est ça un écrivain, c'est trois bribes de mémoire. Hein. C'est ça qui a fait son rapport au monde. Et à partir de cet lieu-là, la baie de Morlaix, cette enfance-là, pauvre, il a voyagé et il a fait découvrir à nous autres aussi, à la France entière, ce qu'on appelait les littératures du grand dehors, les littératures du voyage, etc. Donc, on peut créer à partir de n'importe quel lieu, le monde est à nous entier, hein, nous tous. Évidemment qu'il ne s'agit pas de nier les inégalités entre groupes à l'intérieur des mêmes pays, mais au moins sur le plan artistique, on est à même distance du monde. Vous voyez, j'ai pas besoin. Jeff Bezos est beaucoup plus riche que moi, évidemment, mais en termes de création, je peux écrire des poèmes plus beaux que lui, par exemple. Enfin, si on nous lançait, donc on est à égalité sur le monde de l'imaginaire, et ça, c'est sur le monde de la création, sur le monde de la spiritualité. Jean-Marc Ayrault tout à l'heure parlait de l'Afrique comme terreau des spiritualités. C'est ce que nous avons apporté. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait à Dakar, ce qu'on appelle les ateliers de l'Afrique à Dakar, avec et des gens comme Félix Sarr, Alain Mobankou, Achille Bembe. Ce qu'on montrait simplement, c'est que l'Afrique, elle a personne à rattraper. Il n'y a pas à l'envisager sur le mode du moins. Hein, c'est pas les économistes, ils font leur travail. Vous voyez. Mais l'Afrique n'est pas en manque. Il n'y a rien à rattraper. Elle est en manque de rien. Ou plus exactement, elle est même elle-même le monde, elle est même le monde à venir, c'est un laboratoire. Donc on l'envisage souvent, hein, sur le monde, on va dire dans la doxa ou le monde officiel, on l'envoie comme un lieu privé de quelque chose. On dit qu'elle est sous-développée, qu'elle n'est pas assez évoluée, qu'elle n'est pas assez ceci ou cela. Mais en fait, on vient de comprendre que cette séquence-là, cette manière de voir le monde, c'était deux siècles occidentales, hein, voyez-vous. 4 siècles si on est gentil. Hein. Donc le sens du progrès où on va, tout ça est remis en cause. Donc il n'y a personne à rattraper, il n'y a pas de coin sous-développé. Il n'y a que des savoirs qu'on ne sait pas qui manquent. Voyez. Par exemple, toute la sagesse, rien que la pharmacopée, hein, c'est des choses évidentes. Hein. On a vu que le Covid nous a bien montré que ce qu'on croyait l'avancée du monde occidental, c'était pipeau. Hein. On n'était même pas capable de fabriquer des masques. Parce qu'en fait, ce qu'on croyait, c'était une vision du monde qui est elle-même corrélée à ce qu'on appelle le capital, etc. Donc, vous voyez, on a bien vu que s'il y a une partie de la chaîne des productions se bloque quelque part, tout va à volo. Donc, on voyait bien que cette vision du monde-là, qui envisageait l'Afrique sur le monde du négatif, elle manque de ceci, elle manque de cela. On a bien vu que tout ça, c'était une vue de l'esprit. Je ne dis pas que l'Afrique n'a pas de difficultés, mais elle a aussi, elle est à peu près comme les autres pays. Les pays latino-américains sont décolonisés un siècle avant les Africains. C'est eux qui ont inventé ce qu'on appelle les décoloniales, ou l'histoire, enfin, la philosophie décoloniale, qui est une manière de voir le monde en disant simplement, elle n'est pas anti-occidentale, elle est juste de voir le monde pas seulement avec des référents occidentaux, mais avec des référents aussi mapuche, latino-américain, etc. C'est ce que les Africains font d'une certaine manière, vous voyez. La mama qui est dans son coin, qui fait les commerces informels, comme elle dit, bah, elle n'est pas informelle, elle manque de rien, elle nourrit ses enfants.
C'est la Banque mondiale qui la voit comme informelle, qui n'est pas reliée, nanana. Mais elle, elle nourrit ses enfants, comme vous disiez tout à l'heure. Vous avez les téléphones. La Somalie, par exemple, je connais l'Afrique de l'Est. On dit que la Somalie n'existe pas. Il y a même un pays qui s'appelle le Somaliland qui n'existait pas. Bon, en fait, il est beaucoup plus en paix que les Mogadiscio qui, elles, existent, soi-disant par les Occidentaux ou les mondes extérieurs, mais vous voyez, qui n'est pas raccordé. Donc, on voit bien que c'est un niveau des discours seulement. Il ne s'agit pas de nier, mais il faut aussi voir, par exemple, que les Africains ont toujours vécu là, qu'ils se sont toujours débrouillés là, que, par exemple, sur la question de la migration, 80% des mouvements migratoires sont 90%. Sont inter-africains, donc il n'y a que 8% qui arrivent, moins de 10% qui arrivent ici, et on a l'impression que c'est la fin du monde, voyez. Donc, ce sont des choses, ce sont des vies de l'esprit. Ça excite quelques personnes ici pour des intérêts, donc on ne va pas rentrer dans le débat ici. Il y a un désir de fascisme dans certaines sections de la société française aujourd'hui, mais ce n'est pas le monde, hein. c'est la société française et c'est encore quelques segments de la société française. Donc on ne va pas donner, c'est pas plus d'importance à ça. Ces gens-là vivaient ensemble, ils sont toujours, voilà. Donc on a tout ça et c'est une vue de l'esprit. Donc ne voyons pas l'Afrique sur le monde du négatif ou du manque, c'est une vue de l'esprit. Merci M. Wabéry. Il y a quelque chose avant... Je prêche là. Oui, avant qu'on passe aux personnages, parce qu'il y a quelques personnages dont il faut absolument qu'on en parle. C'est l'environnement que vous décrivez qui est magnifique. Moi, j'étais complètement là-dedans. Donc cet environnement, c'est la mer Rouge, le désert, les montagnes du Gouda, la montagne d'Amboui, la plage des Tritons... qu'est-ce que j'ai retenu encore? La plaie des chameaux, la plaie de la siesta où vous êtes allé pour la première fois avec la tante, je crois. Votre quartier, le château d'eau, hein, névralgique, hein, important, là où vous avez grandi. Vos voisins que vous n'oubliez pas, l'Éthiopie. Et puis il y a quelque chose qui m'a rappelé autre chose que je retrouve souvent dans les gens sous emprise ou en colonisation. C'est la ville haute et la ville basse. Expliquez-moi quelque chose là-dessus. D'abord, ce que vous dites, grand frère, c'est le royaume de l'enfance. Hein. C'est la magie de la vie. Évidemment, quand je retourne dans mon quartier, il n'a plus cette saveur-là. Il est devenu un peu petit, etc. Mais vous voyez, les lieux qu'on a habités sont toujours plus grands que nature. Donc c'est le royaume de l'enfance. C'est les Djibouti des années, on va dire, des 70-80, qui a beaucoup changé. Qui à la fois pas beaucoup changé en même temps qu'il a beaucoup changé. Donc ça, c'est le royaume de mon enfance, pour parler comme Senghor. J'essaye aussi, et c'est un peu la petite prétention littéraire, de faire une œuvre littéraire avec ça. Vous voyez, pas avec autre chose ou s'inventer d'autres univers, mais faire avec le lieu où j'ai posé mes pas, d'abord. Si on regarde l'œuvre de Proust, elle se passe aussi dans un petit bout de Paris, hein, entre 8e et 16e. Vous voyez, il est de ce milieu-là. Il ne connaît pas Barbesque, par exemple, de l'époque. Vous voyez. Donc chacun reste dans ce qu'il fait, et c'est avec ça qu'il essaye d'atteindre l'universel. Donc pour moi, les quartiers que vous citez, la place des Chameaux existe, la plage de la Siesta, la plage des Tritons. C'est le royaume de mon enfance. Et il faut avoir aussi, ça prend cette saveur justement littéraire, un peu les petits points des murs jaunes de Proust. Hein. Les Djiboutiens d'aujourd'hui, Yacine connaît ça, mon cousin derrière, mais pour d'autres, ça n'a pas la même saveur. Vous voyez, c'est comme ça. C'est ça la qualité littéraire. En tout cas, c'est ce que j'essaye de donner, de faire habiter ces lieux-là et de le rendre magnifique, alors que quelqu'un d'autre dirait, mais c'est quoi, c'est un couac, c'est même pas une plage, etc. Et donc, la plage de l'enfance est toujours plus belle que la plage de réel, si vous voulez. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Il faut qu'on parle un peu des personnages, parce que ceux-là que vous décrivez, je disais en introduction, sont des personnages fantastiques, exceptionnels, chacun avec son caractère. Évidemment, il y a Papa Latige, hein, Amine, la maman Hazard. Ce que j'ai retenu, ce qui m'a frappé, c'est la grand-mère Cochise. La mère Cochise, je pense que, enfant, vous étiez quelqu'un qui vous décrivait aussi de façon
je laisse les gens lire parce que je ne vais pas les citer. En tout cas, vous étiez très peu prétentieux, plutôt caché, évitant les foules, vous mettez de côté. Et je pense que vous êtes attaché beaucoup à cette grand-mère qui vous a donné un contenu, une ligne de conduite. Et puis à votre, je dirais même, celle qui aurait pu être votre chérie, la bonne Lada. Parce qu'à chaque fois, on le retrouve. On la retrouve. Et puis il y a un troisième personnage qui, pour moi, dans l'esprit de l'enfance, qui vous a complètement, pas traumatisé, mais il vous a créé beaucoup de soucis. Parce qu'on a l'impression qu'il vous piquait quelque chose. C'est le jeune frère au Seblé. Décrivez-moi ces trois personnages. Mais écoutez, c'est le royaume de l'enfance, comme je disais. Donc j'avais commencé par la grand-mère, qui est là. Comme je disais, ce roman est sur un terreau biographique, donc tout ça est presque vrai. Encore que, avec les auteurs, on ne sait jamais. Donc la grand-mère, elle était là, ça c'est sûr. Et alors la grand-mère, elle est altière, vous voyez. Que ce soit dans la littérature, enfin, ma vraie grand-mère était déjà altière, elle était grande, maigre, c'était une vraie nomade, elle était assez vieille déjà. Et c'était le vrai chef de la famille, parce qu'elle était, c'était la fille, c'était la maman de mon père, hein, c'était la grand-mère maternelle. Mais déjà, mon grand-père, mon père était, c'était son deuxième enfant, donc c'est elle qui avait la maîtrise, qui le dominait, on va dire, parce que c'était la maman, hein. La matrone, si j'ose dire. Et ma mère était encore plus personnage plus effacé que mon père déjà, parce qu'elle était plus jeune que mon père. Et puis la pauvre, elle était jetée son premier enfant. Elle a eu en fait un enfant mort qu'on cache, que c'est pas un secret, mais bon, j'étais pas le premier en fait. Et comme son premier enfant était mort, elle devait avoir 21 ans quand elle s'est mariée. Elle devait avoir à peine 22 ans ou 23 ans quand elle l'a eu. Et comme elle avait perdu le premier enfant et que moi j'étais maladif, elle avait l'impression qu'elle allait me perdre. Donc en fait, elle ne s'attachait pas. Donc elle filait à ma grand-mère. Et donc c'est ma grand-mère, chef des familles, qui m'a élevé, qui était à la fois la mère et la grand-mère et les pères. Vous voyez, c'est elle qui dirigeait la maison. Et c'était assez. Donc j'ai compris l'autorité sans même bouger un petit doigt. Elle était quasiment aveugle. Donc elle avait cette sensibilité que. Elle levait la voix. Je voyais, par exemple, j'entendais gamin qu'elle se mettait devant sa maison, hein, elle restait comme ça, et tout le monde s'arrêtait pour la saluer. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas. On voyait bien que c'était les capots, comme on dirait si on est dans une ambiance italienne, un village italien, c'était les capots du quartier. Tu vois. Elle savait tout, elle donnait, voilà, elle dirigeait les choses sans qu'elle. Et pour moi, j'allais me cacher sous sa robe quand ma mère s'occupait pas de moi, vous voyez. Donc c'était vraiment la matrone. Donc j'ai gardé une grande affection et elle démontrait, c'est elle qui disait justement il faut embrasser les arbres, etc. Je racontais tout à l'heure. Donc c'est celle qui m'a élevé aussi d'une certaine manière. Élevé mon père et élevé ma mère aussi, parce que ma mère elle était assez paumée, la pauvre. On ne devient pas mère, hein, ça s'apprend. Hein. En tout cas, elle s'est arrangée après, mais j'ai en tout cas l'impression qu'elle m'avait un peu délaissé comme ça. Dans les mains de ma grand-mère. Alors mon père travaillait beaucoup, donc lui aussi était maigre. Donc c'est cette société-là qui est passée du nomadisme à la vie traditionnelle, à la vie pardon urbaine. Et donc ma grand-mère, par exemple, encore qui m'a, je vais vous raconter des détails, mais elle était encore, elle avait des moutons et des vaches. Hein, elle avait son campement hein, dans la ville. On se pousse un peu et puis. Voilà, on est en ville, pour elle c'était la première génération urbanisée, mais elle ne pouvait pas s'épasser des bêtes, vous voyez. Donc elle avait gardé un petit campement. Elle fut berger. Voilà, en pleine ville. Et moi, gamin, quand j'avais 8 ans, elle me demandait d'aller ramener les bêtes, tu vois. Et pour moi, c'était la honte. Hein. Je me disais, mais c'est affreux, mes petites copines vont me voir. Ils vont raconter à ma maîtresse, Madame Annick, qui était aussi ma deuxième mère, si j'ose dire, la blanche, donc en plus la française. Ils vont dire qu'ils m'ont vu. Ils vont dire que c'était un broussard. Donc, c'est le summum de la honte. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait très naturellement? Ben, j'ai ramené la moitié des bêtes. Alors, vous voyez, là, choc de culture pour ma grand-mère, qui est une vraie paysanne, enfin, une vraie, on va dire, amie des bêtes. Toutes les bêtes avaient un petit prénom. C'est comme
bien. Elle connaît ses petits moutons, il a une queue noire, l'autre il a une oreille, nanana. Donc elle appelle par des petits noms, vous voyez. Et moi, je ramène la moitié des bêtes, vous voyez. J'étais vraiment inhumain, quoi. Insignifiant. Donc du coup, elle a pris les bâtons des bergers et l'a donné à mon frère suivant. Elle a dit, celui-là, c'est une... Vous voyez, c'est même pas... Il ne ramène pas des bêtes, il a oublié... Voilà. Et donc, elle a pris, elle a donné à Haussmann. Moi, évidemment, c'est ce que j'ai cherché inconsciemment. Donc, j'avais plus la peur d'être broussard. Et je pouvais rentrer et trouver Madame Annick sans qu'elle sente, la, je ne sais pas, le mouton sur moi. Les angoisses de gosse, je voulais être normal. J'étais né dans la ville et j'étais un urbain, donc je n'avais rien à faire avec les moutons. Donc, voilà comment j'ai réglé. Et donc là, c'est des choses réelles. La bonne est un mélange, un mixte de plusieurs petites bonnes. Là aussi, vous avez en Afrique, hein, parce que les Africains vous disent qu'ils sont tous grands frères aussi. Mais il y a aussi des histoires de classe. Il y a des enfants qu'on place chez d'autres gens, c'est ce qu'on appelle la bonne en Afrique. Donc, même les familles pauvres, encore plus pauvres qu'eux. Voyez. Donc tout d'un coup, l'enfant avec la bonne, j'ai appris la classe. Parce que cette bonne, c'est quoi en fait, socialement, si j'ose dire ? C'est une famille lointaine, éloignée, dont les bêtes sont là, vous voyez, qui sont en mésaventure, hein, Qui vient du Djebel. Voilà, qui vient de la brousse, et on place les enfants, on dit gardez mon enfant chez vous, vous voyez. Et donc elle devient bonne à tout faire chez une autre famille. Donc souvent c'est comme ça. Hein. Si c'est pas la brousse, ça peut être le village, mais c'est la même chose, vous voyez. Donc cette classe sociale, parfois elle-même désavantagée, mais qui rencontre d'autres. Donc avec elle, j'ai appris la différence de classe, si j'ose dire. Et ben, elle était belle aussi, j'étais amoureux d'elle, mais bon, la pauvre, elle est morte en fait tragiquement, comme elle n'a pas fait l'école en plus. Donc là, j'ai appris la différence à l'intérieur du groupe, parce que cet enfant, il avait une interrogation. Il y avait ce que vous avez dit aussi, la ville basse et la ville haute, ça c'est Djibouti, c'est le colonialisme, bien sûr. C'est les colonialismes. Et vous retrouvez cette ville haute et cette ville basse partout. Vous allez à Casablanca, à Marrakech, à Dakar, partout. Donc il y avait la ville, ce qu'on appelle la ville coloniale, la ville occidentale, où il y a l'administration, le gouverneur, qui est toujours en hauteur et sur la plage, souvent face à la mer. Et vous avez la ville basse qui s'est créée à partir de cette première ville. Et vous avez même la ville grise, entre deux, si vous voulez. Si vous voulez la ville blanche, la ville noire, l'indigène, qu'on appelait indigène, hein, c'est comme ça. Voilà. Et entre eux, vous avez la ville commerçante. Et par exemple, dans beaucoup de pays, c'est une ville grise aussi parce que c'est une ville arabe, par exemple, arabisée. Donc à Djibouti, si vous faites de l'ethnicité, si vous voulez, vous allez avoir la ville commerciale, occidentale, la ville commerçante, arabo-africaine, et après vous allez avoir la ville africaine en bas, vous voyez. Donc c'est grise, blanche, etc. Là encore, c'est l'héritage de la couleur, l'héritage de l'histoire, et vous traversez toutes ces villes-là, en même temps que sont les mêmes villes, et dans un périmètre assez petit. Donc, pour un enfant, tout ça est formidable, parce que quand je suis allé sur la plage, la première fois, j'ai rencontré l'altérité avec le français, qui est à la fois les militaires, parce que pour moi, c'était comme ça. Comme je suis né dans une garnison militaire, tous les Français étaient militaires. Ils avaient 20 kilos de plus que la moyenne. Et comme je connaissais que le français, que sur le mode du militaire ou du, on va dire, ce qu'on va appeler l'enseignant, parce qu'à l'époque, on appelait ça les coopérants. Donc, quand on a enlevé le coopérant ou les médecins, et les Français ordinaires n'existaient pas. Et j'ai raconté ça à Edouard Glissant, avant qu'il ne meure. J'ai dit, mais pour moi, l'altérité, ce qu'on appelle aussi l'Afrique diasporique, vous voyez, elle n'existait que sur le mode. On connaissait les Sénégalais, les tirailleurs sénégalais, qui est un élément de, justement, l'armée française. Et l'autre élément, c'est qui ? Ben, c'est les Martiniquais, vous voyez. Qu'ils soient guadeloupéens, d'ailleurs, on dirait que c'est les Martiniquais. Donc là encore, l'outre-mer, il y a encore là une modalité du noir, si vous voulez. Et donc, on est à Djibouti, un peu arabisé, nanana. Vous avez les plus noirs que moi, c'est les Sénégalais, tirailleurs sénégalais. Et les plus clairs que moi, c'est les Martiniquais, vous voyez. Et l'Africain, donc, le Djiboutien, il connaît, il est Africain, évidemment, mais il s'est dit Djiboutien, enfin, il s'est dit la norme, vous voyez, même s'il dit pas. Donc, il connaît ses voisins éthiopiens, kenyans, mais après, la race noire, c'est dit, enfin, ce qu'on appellerait la race noire, là, c'est défini, hein. Le plus noir que moi, sénégalais, plus clair que moi, martiniquais. Et Edouard avait trouvé ça formidable, il a marqué en note de pas de page dans un de ses livres. Mais là encore, c'est l'histoire française, si vous voulez, ou l'histoire franco-africaine qui arrive à l'enfant djiboutien. Donc pour moi, tous les Français, on va dire, étaient baraqués parce qu'ils étaient militaires. Tous les gens un peu clairs étaient martiniquais, etc. Vous voyez, donc d'un coup,
tout d'un coup, on fait son apprentissage du monde à partir de, justement, du lieu et à partir de ce qu'on a sous la main, voyez. Par exemple, moi, il faudra attendre beaucoup plus tard que je sois au lycée, par exemple, pour comprendre l'apartheid et tout ça. Là, c'était les années apartheid, etc. Mais les Africains, c'était les pays voisins, les Éthiopiens, les Kenyans. Mais le Sud-Africain est loin, les Namibiens inexistants, les Tchadiens, c'est une silhouette, etc. Vous voyez. Donc l'Afrique, tout d'un coup, moi qui suis devenu spécialiste de ce qu'on appelle le panafricanisme, ben, j'ai appris d'abord l'Afrique par le bout que je pouvais tirer. Et le bout, c'est notamment l'armée française qui me l'a amené. De même, quand j'ai dit la variété d'anglais que j'ai appris, d'abord, à part l'anglais des scolaires, c'est Bob Marley. Et Bob Marley fait un travail formidable d'africanisation, de panafricanisation. Parce que tout d'un coup, avec Bob Marley, c'est ce qu'on appelle la diaspora qui rentre chez vous. Parce que vous êtes dans l'Afrique, si vous êtes dans l'Afrique anglophone ou francophone, mais tout d'un coup, il y a un type chevelu qui vous parle des Zion et des Babylones. Et vous dites, ah, Zion, Babylone, c'est quoi? Ah oui, d'accord, c'est, ah, oui, c'est la Bible. Parce qu'en plus, l'Éthiopie, elle est à côté. Tout d'un coup, vous voyez, parce qu'il y a une Éthiopie qui arrivait chez moi, celle de Marley. On me disait, mais on connaissait les Éthiopiens, ils parlent d'Éthiopie, c'est la seule Éthiopie. Donc tout d'un coup, la diaspora, ce qu'on va appeler la diaspora, va arriver avec Bob Marley. Et la Jamaïque, et comment les Noirs diasporiques des îles, ce qu'on appelle la Caraïbe, réutilisent l'histoire africaine et l'Éthiopie comme message, comme espérance, comme texte, que j'allais dire. Tout d'un coup, voilà, Bob Marley m'amène les textes de l'Afrique diasporique. C'est ce que Gilroy appelle le conte et l'attente pouvoir. Monsieur Waberi, j'aimerais aussi qu'on parle un peu de votre scolarité. Pour moi, le secondaire, vous avez toujours pas, tout à l'heure évoqué le nom des enseignants. Vous avez adoré tous vos enseignants, Madame Anita. Au secondaire, Madame Elu. Au collège, Rebelote. Pour moi, le secondaire se passe bien. Jusqu'au bac. Et là, vous aurez pu être fonctionnaire, tout ce que vous voulez. Vous avez le choix. Vous décrochez donc le bac de philosophie. Vous embrassez complètement cette matière. Et vous arrivez donc à Rouen. Mais là où j'avais mal au cœur, hein, dans ce que vous décrivez, c'est l'école primaire avec le fameux Johnny. C'est terrible. Parce que derrière, ça déclenche quelque chose. Est-ce que vous avez 2 minutes pour y raconter un peu ça? Oui, bah, on a tous un Johnny. Johnny, c'est le type qui vous fait le croche-pied à l'école. Voyez. Comme j'étais les bons garçons, enfin, j'étais les bons élèves, parce que j'avais mon handicap, en fait, que je n'appelais pas ça un handicap, mais on m'a dit, tu dois être bon à l'école. Donc, j'étais bon à l'école, et Johnny, c'est celui qui n'est pas bon à l'école, et qui est la terreur. Hein. Il s'appelait d'ailleurs Johnny Chien Méchant lui-même. Et à la fin, en fait, pour la faire courte, comme j'étais le bon élève, je vais quand même arriver à le dominer parce que je lui faisais les dissertations de tout le monde. J'étais fournisseur des dissertations. Et donc, on me disait, tu vas avoir moins de coups de poing sinon tu fais la dissertation. Donc, tout d'un coup, et ça, c'est aussi un peu biographique, j'ai compris que parler français, écrire français, maîtriser la langue était un pouvoir. Moi, je faisais l'écrivain public quand on vient d'une famille pauvre, hein, enfin, modeste. Donc j'étais déjà l'écrivain public de mon quartier, de mes deux rues. Mais après, tout d'un coup, j'ai voyé des adultes à qui je lisais des lettres ou pour lesquels j'écrivais des lettres. Et tout d'un coup, il y a un adulte qui pleure parce que vous lui avez lu une lettre. Tout d'un coup, vous rencontrez, vous vous rendez compte que la grammaire, c'est pas seulement de la grammaire, c'est aussi un lieu de, comme Foucault va nous expliquer, hein, le langage égale pouvoir. Voyez. Donc c'est ça qui est émouvant et c'est ça que j'ai, tout d'un coup, ma langue... L'école était à la fois un refuge, un lieu de réconfort, un lieu de cachette aussi, parce que comme j'étais un peu faible, pleurnichard, un peu souffreteux, j'ai me caché à l'école. Et j'affectionnais l'école, et puis tout d'un coup, j'ai trouvé aussi des belles maîtresses qui m'ont regardé tout d'un coup, et donc qui m'ont rendu beau. Hein, ces dames, c'est ce qu'on appelait les barbichets de la Troisième République, ça aussi, au début. C'est ces gens-là hein, qui venaient de leur brousse, ou enfin, je dis, des Mayennes et d'ailleurs, du Roussillon, n'importe où, et qui allaient en Outre-mer donner la langue française. C'est ça qui est fabuleux, en fait, notre mariage franco-africain, ce qui est à la fois, évidemment, des choses un peu ratées ou d'un peu désastreuses, mais il y a aussi cette forme de générosité complète qui fait que nous sommes des Africains différents. Nous avons rencontré un jour, les anglophones ne comprennent pas. Ils disent, mais ces francophones-là qui changent leur relation avec la France, ils vont arrêter quand
ils sont pas adultes, quoi. Ils sont un peu toujours leur nounou français. Mais en fait, non, c'est une relation très particulière, vous voyez, qui est faite d'incompréhension parfois, mais ce qui est fait aussi d'une forme d'amour gratuit, qui n'a jamais été calculé, et qui ne se calcule pas, parce que ces barbichets de la Troisième République, on les a nommés, vous voyez, c'était la mission, vous voyez. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre, mais c'était une mission, une forme de... Vous voyez, l'État français missionnaire de sa propre forme, hein, qui est à la fois très généreux et très, très, que les autres ne comprennent pas. Voyez, c'est incompréhensible. Les Britanniques, par exemple, ou les Américains, vous voyez, ils sont dans une forme de transaction calculée tout le temps. Là, la générosité de la langue des Français, de vraiment éduquer des gens... jusqu'à récemment, hein, c'était incompréhensible. Donc moi, j'étais aussi très amoureux au sens de attaché à mes maîtresses. D'ailleurs, pour finir là-dessus, pour rester dans l'arrière, Madame Ellul m'a retrouvé. Elle a 84 ans, elle est dans l'arrière-pays de Montpellier, et avec son mari, ils m'ont écrit une très belle lettre. Alors là, je vais finir là-dessus. Monsieur et Madame Ellul sont... Madame Ellul est charentaise. Monsieur Ellul est pied noir. Il se considère encore en exil. Il dit, j'ai suivi ma... C'était pas mon pays. Lui, il adorait Djibouti, puisqu'il est né en Algérie, n'est-ce pas? Et quand l'Algérie est devenue indépendante, il était pied noir, mais il est Djibouti. Mais c'était quand même son deuxième pays, quoi. C'était l'Afrique, quoi. C'était le soleil, etc. Et il aimait profondément. Il a travaillé 14 ans dans la coopération. Donc quand il est parti de Djibouti, c'était un deuxième déchirement. Donc vous voyez, ça, c'est incompréhensible. Vous voyez, on va expliquer ça. Et Pierre, il s'appelle Pierre, et lui, il me dit, bah, il est rentré en France parce qu'il fallait qu'il suive madame. Mais c'était pas son pays. Alors là, expliquez, c'était un blanc. Là, et il s'est vivé. Vous voyez, c'est ça qu'on ne peut pas comprendre. Ça passe que par l'affection, par la littérature. C'est pas tangible, vous voyez. Et cet homme-là disait, je suis ma femme, mais je rentre pas chez moi. Alors, va dire du mal des pieds noirs, mais non, c'est pas possible. Alors que quand on est dans les généralités, on peut toujours dire... Merci, monsieur Wattier.